encore une urgence. Il me faut des bandelettes, des tonnes de bandelettes. C'est pas pour moi, merci. Fais-y attention, ce sont des bandelettes de marque. Vous savez où est Vénus? Elle m'a demandé de lui apporter 300 litres d'eau distillée. Illico Presto, ça veut dire quoi? Oui, et à nous, elle a demandé de prendre le plus grand thermomètre qu'on puisse trouver. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette goule? Accroche-toi, mon vieux. Vénus? Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Oh! Mes belles bandelettes en soie d'Égypte! Cléo, c'est l'arbre le plus ancien de Monster High. Il est ici depuis des centaines d'années. Et qu'est-ce qui lui arrive? Vas-y, raconte. Ce sont ses racines. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Il n'en a plus pour longtemps. Il y a sûrement quelque chose à faire. Quelqu'un doit bien pouvoir nous aider. Un professeur, un scientifique, Goulia. Ou Mère, Mère Nature, elle saura. Mère Nature, un chêne superbe et vénérable est en danger. Souviens-toi de ce qu'il a été pour toi, et ton amour le ramènera à la vie. J'ai compris. Appelle Cléo et dis-lui d'amener autant de monstres qu'elle le peut ici, auprès de l'arbre. Et vite. Oh, merci beaucoup, Mère Nature. Mais alors, c'est quoi le problème, Cléo? Tu peux nous expliquer ce qu'on fait tous ici autour de ce gros tas de bois de chauffage? Ce n'est pas du bois de chauffage. C'est le témoin de toute notre histoire. Il sait qui nous sommes et qui nous avons été. C'est sous ces branches que j'ai écrit mes meilleures histoires. J'ai perdu 5 ballons de foot dans ces feuilles. Goulia, tu venais toujours étudier ici, tu te souviens? Et il a assisté à mon premier rendez-vous avec Cloud. Regardez, il avait griffé nos initiales. Regardez! Collier est monstrueusement mignon. Je sais, il est pas adorable. C'est Cloud qui me l'a offert. Oh, tu permets que je l'essaie? Ok, mais fais très attention. Oh, oh non, il est dans les profondeurs. Je suis vraiment désolée. Je vais aller le récupérer. Non, tu ne comprends pas. Il est dans les profondeurs. Oh, il est perdu pour toujours. Calme, du calme. Pourquoi vous parlez des profondeurs? J'ai fait tomber le collier de Draculaura dans l'eau, mais je vais le retrouver. Personne ne s'aventure dans les profondeurs. Pourquoi vous êtes aussi bizarre quand vous parlez des profondeurs? Les profondeurs, Frankie, la piscine de Monster High est la plus profonde du monde. Personne ne sait ce qui rôde là-dessous. Oh, ben j'y vais quand même. Tout est ma faute et je compte bien me rattraper. Tu n'es pas forcée de faire ça. Je dirais seulement à Cloud que... Oh, je l'ai perdu. Non, 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 je vais tout arranger. Si tu descends, alors je viens avec toi. Je ne vois pas pourquoi tout le monde est si effrayé. Les profondeurs, c'est plutôt sympa. Regarde cette jolie fleur. Ce n'est pas une fleur. Vite, nage! Oh, regarde, c'est le collier. Attends. Il est là-dedans. Il a un sacré butin, dis donc. Hé, hey, toi, rends-moi ça tout de suite. Frankie, ça ne vaut pas le coup. Frankie, tu ne sais pas qu'il ne faut jamais provoquer un monstre avec des boulons. Maintenant, donne-moi ce collier. Oh, merci, merci. En travaillant en équipe, on a pu surmonter nos peurs et rendre service à toute l'école. Tu vois? Oh, super. Ma calculatrice T97X4. Oh, j'étais sûre que je ne te verrai plus jamais, ma chérie. Mes amis ont fait des projets extraordinaires. Attention, plus que quelques secondes avant minuit. Je ne me sens pas prête à entamer une nouvelle. Wow, c'est moi qui ai fait ça. Hey, Frankie! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Surtout, ne touche à rien avant que je n'ai trouvé le moyen d'arranger les choses. Regardez-les, tellement heureux à l'idée de cette nouvelle année qui commence. Si ça pouvait être mon cas. Claudine, par exemple. Je vais créer ma propre collection de vêtements monstrueux. L'adjectif qui qualifiera le mieux Cléo en 2013? Dominatrice, tout simplement. Je suis sûre que tu guériras la crânomanie. Thomas, qu'est-ce que tu fabriques? Quoi? Mais non, je fabrique pas une cabane de zombies. Qu'est-ce que tu t'imagines?
Operetta écrira des chansons pour un chanteur de rock horreur. Vénus nettoiera les plages de corps sans tête. Rebecca va construire une fusée sur le toit de Monster High. Vous voyez, tous les monstres que je connais ont un super plan pour 2013. Tous sauf moi. C'est encore plus génial, non? De ne pas savoir ce que l'année 2013 te réserve. Peut-être. Tu imagines toutes les surprises qui t'attendent au cours de cette année nouvelle? Oui, tu as raison. Donc, depuis quand tu es intelligent, toi? Oh, je fais semblant de rien pour pas humilier les autres. Mais le Thomas a un sacré cerveau là-dedans. C'est vrai que les surprises, c'est pas mal dans le fond. Vous savez, maintenant je suis toute électrisée par l'année 2013. 3, 2, 1, ouais! Goulia dit qu'on s'approche du but. Je continue de penser qu'on ne devrait pas être ici. Tu n'es même pas un peu curieuse de voir le vieux laboratoire d'école de ton père? Il paraît qu'il est scellé depuis qu'il a eu son diplôme. Mais on a la clé squelette. Je parie qu'il est plein de trucs super mystérieux. Et dangereux, alors ne touchez à rien surtout. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Bruno, qu'est-ce que tu fabriques ici? Il se sentait seul, alors je lui ai dit de venir. Pas question. Mais... pourquoi? Sérieusement? Parce qu'à chaque fois que tu vas quelque part, les ennuis te suivent. Donnez-moi une chance. Je promets de ne toucher à rien du tout. Hey, wow. C'est cool, tout va bien. Oh, allez les goules, ce serait gentil de votre part d'accepter Bruno. Oh, d'accord, mais surtout n'oublie pas de ne toucher à rien. Je sais, je sais. Wow. Le laboratoire de Frankenstein. Cet endroit est fantastique. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Se demanda-t-il de loin, sans esquisser un mouvement dans cette direction. J'ai toujours pensé que Charcuter n'avait pas de cerveau. Je ne savais pas que c'était scientifiquement prouvé. C'est de ma faute, pardon. Oh, quelle bête horrible, avons-nous libéré? Oh, c'est un mignon petit chaton. Fais attention, il est peut-être dangereux. Ouais, il est dangereusement mignon. Oh, viens là, mon joli. Arrête, ça chatouille. Bruno, est-ce que ça va? Je crois que ce petit bonhomme m'aime bien. Tu te sentais seul? Hein? Qu'est-ce qu'il est trop mignon. On va devenir les meilleurs amis du monde. Vous voyez, je vous avais dit que c'était une bonne idée de l'amener avec nous. Aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui est en train de me mordre? Que la revue des revenants apprenne aux ghouls ce qui est gothique et ce qui ne l'est pas. Et au grand galop. Oh, regardez-moi ce bel étalon qui vient d'arriver. Oh. Oh. Un nouveau à l'école? Oh, pitié. Il paraît qu'il s'appelle Archer. Encore de la concurrence. Salut toi, c'est horriblement cool d'avoir un poulain comme toi dans notre écurie. Bravo, bien essayé, Mulot. Maintenant à moi de jouer, regarde et apprends. Oups, oh, quelle pauvre minette maladroite. Tu pourrais me donner un coup de main, beau chevalier. Oh, il est fait pour moi. Tu crois, chérie, il ne t'a même pas remarqué. Oh. D'ici midi, il piaffera pour manger avec moi. C'est ça, dans tes rêves. Oh, si seulement un centaure fort et courageux pouvait m'aider à descendre ces marches. Tu vas voir, je vais lui donner rendez-vous pour déjeuner et au trot. Bah les pattes, tu veux, il est à moi. Oh, tu as vu ce que tu m'as fait? Oh que oui, je l'ai vu. Folle, quoi. Il est super ce déjeuner spectacle, tu ne trouves pas? Tu veux qu'on règle ça une bonne fois pour ouais. Toutes? Alors viens. Alors, laquelle de nous deux préfères-tu? Tu sais quoi? Je te le laisse. C'est pas trop mon genre. C'est gentil, mais non merci. J'aime pas trop l'odeur du croquet. Oh, c'est Cléo. Il y a une urgence. Oh, c'est pas vrai, regarde. Encore des bandages, vite. Pauvre
pauvre chéri. C'est Bruno, il passe un mauvais moment. C'est une poupée vaudou. S'il passe un mauvais moment, alors nous aussi. Frankie, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est toi qui le répare. Et je fais comment? Je ne suis pas une... Oh, une télépathe. Scara Scream. Il est tellement triste. Tout est fini. J'aime les boutons. Entrons dans sa tête, c'est notre seule chance. Quand Goulia poussera ce bouton, nous serons toutes transportées dans son cerveau. Complètement vide. Le cerveau est comme une maison. Chaque pièce a un usage différent. Cette zone contrôle la parole. Ah, le centre de la mémoire. Quelques heures plus tôt. Toi, président des élèves désincarnés, t'es même pas un vrai mec, mec. Il a raison, je ne serai jamais réel. Thomas, il a un gros problème de confiance en lui. Comment on peut arranger ça? Cette zone contrôle les émotions. La plus importante, l'amour. Il suffit de le connecter à lui-même. Ça a marché? Tu sais que je t'aime, toi? Oh, merci, Scara! Je suis guéri, je suis guéri! Je pense que notre tâche est accomplie. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça m'est égal, parce que maintenant, j'ai confiance en moi. Je pense qu'on devrait peut-être y retourner et faire quelques changements. Écoutez-moi! Pour la leçon d'aujourd'hui, je vous présente un modèle de perfection scientifique. C'est qu'un tas de ferraille. Tu es en train de poser tes globes oculaires sur un appareil d'un pouvoir incommensurable. Une machine tellement stupéfiante et incroyable que... Monsieur Charcuteur est attendu à l'administration. Un dragon a allumé un feu. Ben voyons. Je reviens dans exactement 5 minutes. Si jamais l'un de vous touche cet appareil, toute la classe sera collée. Une machine si stupéfiante et incroyable que... Oh. Comme les bébés yaks, il doit tout renifler. Thomas, tu vas nous causer des problèmes. Relax, ça ne fonctionne même pas. Comment j'étais censé savoir que ce truc marchait vraiment? Dans 4 minutes, Monsieur Charcuteur va passer cette porte et quand il nous verra comme ça, il va péter un plomb. Il y a sûrement un bouton pour renverser les effets. C'est trop loin pour sauter. Comment on va traverser? Je m'en occupe. Je vous l'avais dit, je pète le feu, les gars! Génial! Vous venez de pétard mouillé! Pétez! Il ne reste qu'une minute! Sois un gentil toutou, aide-nous à appuyer. Bravo, Abby! Allons-y! Bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de descendre ce levier et on sera tranquille! Et mériter 4 heures de colle pour tout le monde. Non, quoi? C'est pas moi. Tenez, un super cocktail bourré de vitamines avant de rejoindre la piste de danse. Divin, ce scaramur tarantule. Tu dois essayer le crachat de chauve-souris. Et voilà, une fraise sanglante et une momie qui tue. Ça doit être un boulot énorme de faire tous ces cocktails, ma pauvre. Oui, parce que chacun d'entre eux est unique. Et si vous ne l'aimez pas, pas de problème, je vous en fais un autre. Oh, vous avez entendu ça? Bizarre, tout à coup, je suis un peu moins impatiente d'aller danser. Salut, Toralei, Véron, Ronick, Miaouloudi, vous voulez des smoothies? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Tiens, essaie le carburant des fauves avec un trait de litière pour chat. Oh, mais quelle horreur! Oh non, mais c'est pas grave, je t'en fais un autre tout de suite. Les filles, je crois qu'on va s'amuser. C'est celui-ci, un peu plus de thon et un peu moins de litière. Oh, répugnant. J'ai mis un zeste de citron dans celui-là. Eh bien, enlève-le et ajoute des glaçons. Ça suffit comme ça? Trop froid et pas assez d'orange. Les oranges sont pourries. Oh, je suis désolée, je vais en chercher d'autres. Non, ne touche pas à ça! Oh, mes boulons!
pas mauvais. J'essaie de trouver ça horrible, mais... Waouh! Je sais pas ce qu'elles ont fait, mais j'en veux. Hé, tu peux m'en préparer un? On voit Guotumu et Dom de la Mort jouer à la balle aux prisonniers. Toi, Romulus, tu joues avec nous? Je vais prendre Jackson. Oui, je suis pas le dernier. Tu es le dernier, le normal. Il est hors de question que je prenne des zombies dans mon équipe. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu ne les laisses pas jouer? Les zombies sont trop nuls à la balle aux prisonniers. Regarde. Les zombies devraient se cantonner à ce qu'ils savent faire, attirer les mouches et se déplacer lentement d'un endroit à un autre. Toi et les zombies contre nous tous, ça marche. Le vainqueur pourra devenir capitaine d'équipe permanent et ce sera forcément moi. Ah, et moi qui croyais que tu étais intelligent. C'est mortel que tu soutiennes tes semblables de cette façon. Mais s'ils gagnent, plus aucun zombie ne sera sélectionné pour jouer à la balle aux prisonniers. Qu'est-ce que tu comptes faire? Les zombies, ça schlingue. Je préfère monter la ventilation. À fond les ballons. Tu es un génie. Prêt à prendre une raclée, les losers? On va vous descendre en flammes. Qu'est-ce que tu attends pour jouer? T'es encore plus nul que ce que je croyais. Maintenant je comprends pourquoi c'est drôle. J'en viens pas qu'on ait pu perdre face à des zombies. Et ce sont ces gars-là qui vont choisir des équipes jusqu'à la fin du collège. Mesdames, il est temps, comme tous les ans pour Monster High, de choisir sa créature de l'année. Et je sollicite votre assistance pour élire le grand gagnant. J'ai déjà réduit la liste à deux membres de l'équipe éducative, Monsieur Charcuteur et Monsieur Rotter. Ça ne peut pas être Monsieur Charcuteur, il est anti-phibien. Vous devriez peut-être changer de partenaire. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Tout le monde sait que comme parent, il n'y a pas plus nul que les monstres marins. Oh, je ne savais pas. Et il prend un malin plaisir à nous voir royalement souffrir. Votre chalet se trouve un peu plus loin. C'est le chalet réservé aux non-qualifiés. Allez, ce n'est pas si... terrible. Vous aurez zéro, vous aurez zéro, vous aurez zéro, vous aurez zéro. Je vous couperai la note. Alors, c'est décidé. Nous allons choisir Monsieur Rotter. Pas question. Monsieur Rotter, excusez-moi, mais mon devoir était parfait. Pourquoi n'ai-je pas eu un A? Parce que je ne donne jamais de A. Et vous vous souvenez de la fois où il nous a tous collés? Vous et vos amis êtes en retenue. Qu'est-ce qu'on a fait? L'un d'entre vous a volé mes lunettes et j'exige de savoir de qui il s'agit. Vous parlez de ces lunettes-là? Oui. Eh bien, je vais devoir reprendre mes sélections depuis le début. Cauchemar, apporte-moi mes dossiers. Attendez, la récompense est pour la créature de l'année, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, alors, peut-être que le prix devrait être pour... Cauchemar, la créature de l'année! J'espère que Cauchemar ne prendra pas la grosse tête. Vous venez de résoudre l'hypothèse de Riemann et le théorème de Fermat en une seule équation. Extraordinaire! Kulia est sur le point de battre le record d'un million de points dans le jeu vidéo de Vite Mort. Kulia est incroyablement brillante, hein? Mais c'est faux! Tu n'es pas trop bête pour elle. Cléo? Oui, elle a tout un tas de potions bizarres et tout. Elle en a peut-être une pour te rendre plus intelligent, mais je ne crois pas que ce soit... Oh,
D'accord. Cléo s'occupe de tout. Potion de super intelligence. Elle a aussi un antidote. J'ai un très mauvais pressentiment. Je pense, donc je suis. Enfin la hauteur pour Goulia. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une goule à impressionner. Joli coup, mon vieux, bien tenté, mais échec. Le gambit du roi, très bien joué. Et pourtant, échec et échec et mat. Votre contre-argumentation ? Votre argumentation était un simple étalage de verbiage incohérent qui tentait de changer la plus petite assertion puérile en apogée de la sagesse et de la perspicacité. L'Institut de Technologie du Monstrage 7 va envoyer des émissaires cet après-midi pour étudier votre théorème. J'ai relevé quelques incohérences dans tes travaux, voilà, c'est beaucoup mieux. Où est Goulia? Je dois lui expliquer. Elle n'aime pas ce que tu es devenu, grossier et imbu de toi-même. Mais je suis un génie absolu, c'est ce qu'elle voulait que je sois. Non, c'est ce que tu croyais qu'elle voulait. Tu lui plaisais comme tu étais avant. Si tu étais un véritable génie, tu le saurais. Tu as oublié ceci chez Cléo. L'antidote. Quel gâchis de temps et de potions. Il ne se souvient même pas d'avoir été intelligent. Je ne crois pas que c'était du gâchis. Goulia s'en souvient, elle. Tu n'es pas folle de joie? Tu parles que je le suis. Alors, Cléo, t'es folle de joie? Tu parles que je le suis. Goulia, tu es folle de joie. Bien sûr que je suis folle de joie. Ça ne se voit pas. Frankie, quel est ton niveau de joie à propos de demain? Qu'est-ce qui se passe demain? C'est bizarre, j'ai perdu le signal. Demain, Frankenstein, c'est le jour de la photo de classe. Oui? Et alors? Et alors? Frankie, je te conseille de ne pas sous-estimer l'importance de la photo de classe. Je te signale qu'une photo, c'est pour la vie. Oui, comme les bonhommes de neige. Je croyais qu'ils fondaient. Pas si on les construit correctement. Assez de leçons d'histoire. C'est le moment de se mettre au travail. Pour faire quoi? Une monstrueuse séance d'essayage. On dirait des jumelles. Tout va bien, ma belle, il n'est que 8 heures. Mais la photo, c'est à 8 heures! Oh non, je suis attendez, on ne nous a pas pris en photo, je vous en prie! Désolée, les goules, mais on m'attend dans une autre école. Vous ne pouvez pas faire ça! On a passé toute la nuit à faire des essayages! Si vous voulez, je peux vous photographier la semaine prochaine, je dois justement repasser. Il va revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais ça veut dire qu'il ne nous reste plus que 7 jours!